Bonjour. Ces derniers mois, je vous ai présenté en détail des articles scientifiques de spécialistes un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je vous parle un peu de mes travaux, car le temps est venu pour moi de larguer mon manuscrit de thèse sur Internet. J'ai eu l'honneur et le grand plaisir de soutenir ma thèse en février 2016 dans les locaux du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Jusqu'à présent, le temps passe vite, ça fait déjà 5 ans, j'ai gardé jalousement, un peu bêtement, mon manuscrit de thèse pour moi. Notamment parce qu'il y a 2-3 grosses coquilles que j'aurais aimé corriger qui me font honte. Résultat des courses, 5 années ont passé et je n'ai absolument rien fait. J'ai été très occupé entre temps et puis j'ai privé les gens qui étaient intéressés par le sujet de la lecture. Et en plus, j'ai perdu le code de source.tux du manuscrit, donc je ne peux plus corriger mon manuscrit de toute façon. Et en plus, je me dis que si demain je meurs par accident, ce serait très très bête que mon manuscrit soit définitivement perdu. Alors désolé pour les gazouillis en bruit de fond, ce sont les bruits d'un nourrisson. Surtout qu'une particularité de cette thèse, c'est qu'elle contient notamment une partie qui traite d'une expérience scientifique qui place la France, les équipes françaises concernées, en pole position, loin devant tout le monde. Surtout que cette thèse contient, parmi plusieurs choses, contient une expérience scientifique qui place les équipes françaises concernées en pole position concernant la thématique de la détection acoustique animale automatisée. Une expérience qui, permettez-moi l'expression, met la pâtée à toutes les autres équipes dans le reste du monde. Et 5 ans plus tard, à ma connaissance, c'est toujours le cas d'ailleurs. Alors je me permets d'être aussi péremptoire, audacieux diront certains, non pas par vanité, mais pour essayer de contrecarrer une désinformation des Français, notamment des jeunes Français, notamment les étudiants ou les scolaires. Les spécialistes français, parfois les meilleurs au monde dans leur thématique, sont contraints de publier en anglais. Ça a des avantages, mais ça a aussi comme inconvénient que les jeunes étudiants français ignorent totalement, au seul prétexte de la barrière de la langue, que dans leur propre département se trouvent parmi les meilleurs experts mondiaux dans la thématique qui les intéresse. Or, mon manuscrit de thèse, eh bien, il est en français, et pour ceux qui sont passionnés à l'idée de rendre des ordinateurs capables de reconnaître tous les cris, les chants des espèces animales, ou pas animales d'ailleurs, c'est pas que les animaux qui font du bruit, eh bien, je les invite à lire ce manuscrit de thèse, parce que c'est accessible à tout le monde. De manière à ce que les jeunes passionnés français francophones sachent qu'ils ne sont pas seuls à avoir eu une idée, à être passionnés par une thématique, et qu'il y a déjà eu des choses de faites, de manière à ce qu'ils puissent poursuivre leur chemin intelligemment et pas répéter des expériences qui ont déjà été faites des dizaines de fois. Et là, c'est vraiment le cas, objectivement, personne dans le monde n'a étudié des enregistrements acoustiques automatiques continus pendant aussi longtemps dans des milieux aussi venteux et aussi difficiles d'accès aux humains. Il s'agit de la section 8.3, page 104. Cette expérience a été rendue possible grâce à un formidable partenariat avec des équipes très très différentes, toutes françaises, le plus gros bureau d'études environnementales français, à savoir Biotope, un des meilleurs financeurs, postes de financement de bourse doctorale que j'ai nommé, dont je vous ai déjà parlé, à savoir l'ADEME. Je vous mets l'épisode dont je parle déjà de l'ADEME dans la description sous la vidéo, pour ceux qui cherchent un financement de thèse. Un des meilleurs spécialistes mondiaux des oiseaux pélagiques de l'océan Indien, à savoir le professeur Mathieu Lecor. Le docteur Benoît Ginest, qui est ornithologue de formation et qui s'est tapé les journées de marche pour aller poser les unités enregistreuses autonomes. Comme je vous dis, c'est très très compliqué parce qu'il faut compter au moins une journée de marche en continu dans des conditions très difficiles et carrément dangereuses. Il y a eu aussi 2 laboratoires informatiques, le L6 et le LIP6. Je m'arrête là, bien qu'il y a bien d'autres champs qui mériteraient d'être cités, mais c'est pour pas trop rentrer dans les détails, parce que je pourrais continuer pendant un quart d'heure facile. Si je dis ça, c'est parce que si moi j'ai pu, depuis mon ordinateur, traiter des aussi fantastiques bases de données, c'est parce qu'il y a plein de gens qui étaient réunis sur cette thématique et on a bénéficié de moyens assez extraordinaires. On n'a pas l'occasion de réunir dans toutes les thèses. Malheureusement, l'article correspondant à cette expérience scientifique n'a pas été accepté. Je l'ai soumis et après examination, le journal Ecological Informatics m'a réclamé des corrections que je n'ai pas faites. Parce que déjà, ça faisait accessoirement 6 mois que je travaillais, enfin, financé uniquement par l'aide au retour à l'emploi de Pôle emploi, ce qui me pose un problème éthique. On me demande de faire un travail extrêmement prenant et précis dans un domaine scientifique ultra pointu, mais bon, normalement, il faut bien que je paye ma nourriture, mon gîte et mon couvert.
À l'époque, je suis docteur, j'ai 28 ans, je travaille gratuitement depuis 6 mois. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Et deuxièmement, parce que certaines corrections qui m'ont été réclamées étaient absolument ubuesques, notamment sans sourciller, la revue Ecological Informatics me demandait de redémontrer la validité d'une méthode que j'utilise dans cet article, mais que cette méthode, je l'avais déjà publiée, déjà démontrée dans un certain article que j'avais publié chez eux en plus. Alors si je dois redémontrer, republier ce que j'ai déjà démontré et publié dans la même revue, bah, ça sert à rien que je continue à faire des expériences scientifiques. D'ailleurs, entre parenthèses, la tronche en biais, le docteur Thomas Durand, a publié il y a quelques mois une interview d'un chercheur spécialiste bien plus âgé que moi, qui a publié des dizaines d'articles scientifiques dans des journaux à comité de lecture, et il le disait spécifiquement, j'essaierai de retrouver cette vidéo, et il le disait qu'effectivement, parfois, les retours des reviewers des journaux à comité de lecture, les remarques étaient absolument subjectives et partiales, et bien, je confirme. Et d'ailleurs, ma petite idée, c'est qu'en publiant ces résultats sur HAL ou ResearchGate, j'essaie de contourner ce manque de sérieux d'une entreprise privée seule qui fait des choses subjectives et partiales, parfois, à savoir Ecological Informatique. Vous trouverez dans la description sous la vidéo plusieurs moyens de télécharger complètement gratuitement mon manuscrit de thèse, et je vous mettrai aussi les rapports de thèse des deux rapporteurs. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous écrivez votre manuscrit de thèse, ça va vous prendre les 6 derniers mois de votre thèse, mais il faut anticiper parce que il faut prévoir 2 mois à partir duquel 2 mois vous allez envoyer, généralement en version papier, recommandé avec accusé de réception, vous allez envoyer votre manuscrit terminé à au moins 2 rapporteurs, ça dépend de votre discipline, et il faut leur laisser 2 mois pour qu'ils puissent examiner, des critiques à formuler pour officiellement donner la permission ou pas de soutenir votre thèse. Et d'avoir des remarques à critiquer, des questions à vous poser pendant la soutenance de thèse. Donc je vous mettrai ces 2 rapports, à savoir que j'ai eu l'extrême plaisir et honneur d'avoir été examiné à ce titre par les professeurs Thierry Aubin et Jérôme Sueur. Et je vous mets ces rapports parce que c'est très intéressant, je trouve. Ce sont les premières critiques à laquelle on doit s'intéresser, puisque ce sont des spécialistes internationaux mondialement connus dans le domaine. Et ça vous signalera par là même les parties du manuscrit qui sont peut-être à prendre avec le plus de pincettes. Alors je vous lis le résumé de la thèse. Cette thèse a consisté en l'utilisation d'outils informatiques pour recueillir des informations concernant l'écologie d'espèces animales. L'objectif de départ était d'assembler des algorithmes capables de traiter des enregistrements acoustiques et de détecter, lister et dénombrer les sons éventuellement présents d'insectes, amphibiens et oiseaux. Pour ce faire, nous avons testé de manière non exhaustive différents classifieurs et descripteurs de signal audio pour, première partie, organiser et participer à 3 concours internationaux de reconnaissance automatique de sons d'animaux et, seconde partie, construire un outil de suivi d'abondance de 2 espèces d'oiseaux marins pélagiques sur l'île de la Réunion. La première moitié de la thèse, chapitre 7, a été dédiée à la construction et au test de modèles de reconnaissance multiclasse. 92 espèces animales, 82 espèces d'oiseaux, dont 66 passeriformes, 9 espèces d'insectes et une espèce d'amphibien, Pélophylax caelgraphi. La seconde moitié de la thèse, chapitre 8, s'est concentrée sur la construction de détecteurs de cris de 2 espèces d'oiseaux protégés, dont les colonies sont particulièrement difficiles d'accès et menacées par le développement et les éclairages urbains. Le pétrel de Barrow, Pterodroma barrowi, endémique de la Réunion et en danger d'extinction depuis 2008 d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, et le puffin tropical, Puffinus baïoni. Si vous voulez soutenir cette démarche de partage de contenu scientifique, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, ça vous emmènera vers toutes mes lectures traduites de l'anglais vers le français d'articles scientifiques réalisés au cours des derniers mois.